l'émission Goutte Saint-Gébat sont pleins depuis le début de la deuxième saison, diffusée sur TF1 et animée par Jarry. Le principe de ce jeu d'enquête musicale est simple. Deux équipes s'affrontent et doivent deviner qui des candidats anonymes s'est chanté ou pas. Les personnalités françaises présentes dans les équipes se basent sur le physique et sur quelques précisions données en voix off. À chaque bonne réponse, la team gagne une somme en fonction des paliers. L'argent récolté au fur et à mesure du télécrochet sera reversé à l'association que représentent les équipes de vedettes. Le samedi 7 août 2021, c'est au tour de l'équipe de Julie Zenati et celle de Benabar de se défier pour savoir qui des supposés artistes aura la plus belle voix. Ou pas. Ce soir, l'une des candidates s'est démarquée par sa prestation incroyable. La jeune femme s'appelle Amélie et a remporté tous les suffrages du jury composé de Julie Zenati. Elisa Tovati, Chris Marc contre Benabar, Lola Dubini et Max Boublil. Après plusieurs doutes de la part des deux équipes. La jolie brune s'est, finalement, révélée être une grande chanteuse lyrique. Amélie a interprété une célèbre musique de la bande originale du film Le cinquième élément de Luc Besson. Julie Zenati, elle-même, a souligné la performance incroyable de la chanteuse. Son intuition en début d'émission était vraie. La voix d'Amélie est un véritable instrument de musique. Les téléspectateurs, non plus, n'ont pas été déçus du voyage. Ces derniers ont rapidement réagi sur le réseau social. Twitter. Amélie sur le cinquième élément, une prestation qui me provoque une érection capillaire. La chanson du cinquième élément, même les grandes chanteuses lyriques disent que c'est un calvaire à reproduire parfaitement. Chapeau, Amélie, très impressionnant, peut-on lire de la part des twittos. Amélie, élue meilleure candidate de ce numéro spécial,